Dieu nous veut bénir ce soir. Qui veut être béni ce soir? La chambre s'approche un peu. Faites un pas rapproché. Votre liberté spirituelle. Je vais vous donner la délivrance. Tu vas être délivré ce soir. C'est le plan de Dieu pour toi. Dieu va te bénir. Ça va toi? Maria? Je voyais tout à l'heure. Un homme, Kaya, et ambulance. Un grand ambulance. Un homme, Kaya, ambulance. Et comme un mari esprit. Parce qu'on n'est pas mari de lui. Parce qu'il n'a pas marié pour la vie. Il est mari esprit. C'est-à-dire, c'est un mari, hein, il n'est pas physique. C'est un mari esprit. Or, quand l'esprit est dans ta vie, tu ne peux pas avoir d'homme. When you have a spirit in your life, you cannot have a man. Pendant que je parlais, je le voyais autour de toi. Mais il te suit. What's around you? L'esprit, il te suit. Cet esprit, te suit. You follow him. Ce qui fait que la jeune fille déjà, elle a gardé deux fois échec dans le mariage. You already have ce qui fait que la diabète, deux fois, elle a déjà des problèmes déjà dans le mariage. Ok. Maintenant, le problème qui se pose, maintenant à votre niveau, l'esprit là, tu veux que je dise c'est ça va? C'est pas chaud? Non. Par moi, je n'ai pas envie de trop dire les choses déjà. Le problème, c'est que son papa s'est battu. S'est beaucoup battu, mais en quête d'avoir de l'argent, de la toucher à ce qu'il ne devait pas toucher. Je peux continuer de parler. Donc, si tu veux que ça reste dans le secret. Go ahead. You want him to talk about it or you want to meet him? Et c'est là où vient le problème. C'est-à-dire le fétiche que ton père a touché. Le maraboutage, parce que pour moi, pour comprendre, il faut que je passe sur le truc du maraboutage. Ce qui a été fait, c'est-à-dire ton papa voulant, il a parlé ici des choses qui fait qu'aujourd'hui, toute votre vie a été vendue à ce fétiche. Donc, tant que Dieu ne te bénit pas, il sera difficile d'avoir. Sinon toi, je vois dans ta vie un homme et je dis, je n'ai plus continué. C'est-à-dire deux mariages pour pas marcher. Deux mariages pour pas marcher. Premier mariage. Deuxième avec ton âge. Je sais que tu vas te marier. Je te vois dans l'or. Mais je ne peux pas croire. Je n'ai pas avoir l'âge. C'est ce qui n'est pas mon âge. La vie et celle des autres qui sont vivants. L'esprit vous contrôle.
tu es aujourd'hui, il faut que tu aies quelqu'un comme ça dans ta vie pour t'aider. C'est ton désir, c'est ça. Tu ne peux pas forcer. Est-ce que French? Smart? Very well. Yeah, I'm okay. Mais tu vas te délire. Je prie que la puissance de Dieu ce soir vienne te délivrer. Que l'onction de Dieu le Père. La puissance de Dieu. Elle a perdu ses parents, son père et sa mère. Ils sont trois maintenant vivants. Et l'esprit est en train de détruire la vie de cette jeune fille. Je vois son étoile. C'est une jeune fille qui a appelé à avoir de l'argent. Et pendant que je parlais, l'esprit est en train de tourner autour d'elle. La puissance de Dieu.
lâche-la. Lâche-la. Je vois un esprit d'accident. Cette fille, une programmation d'accident, elle. Mais Jésus te sauve. Jésus te sauve. Hey! Comment? Tu la libères. Sa puissance te délivre. Levez-la. 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 Mais toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul est mon désir, et mon cœur est Jésus, tout à adoré. Oh, tu Thank you.
tu n'es pas parti. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui peut me quelqu'un peut me donner en anglais? Et laisse-moi tranquille. Qui es-tu? Why are you? Leave me alone. I want to go. I don't know. Tu vas partir. Tu vas partir. You're gonna go. C'est pas toi. Toi tu filmes. I'm leaving. You guys say I'm leaving. I just want to go. Tu vas partir. Où? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Tu vas la libérer. You're gonna free her. Nope. She said no. Pourquoi? Why? Pourquoi tu ne veux pas la libérer? Why you don't want to free her? Because I love her. Because parce que je l'aime. Ah, tu l'aimes? Leave me alone. L'esprit dit, il aime la fille. Ils ont fait qu'il n'est pas parti de sa vie. Depuis quand tu es avec elle? Since when you with her? Depuis quand tu es avec elle? Since when? From childbirth, like depuis la naissance. Depuis la naissance. Et comment tu es entré dans sa vie? How you get into her life? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? What you did to her? Too much. Too much. Beaucoup de choses. Je partir. Qu'est-ce que tu as gâché? What did you destroy in her? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? What did you destroy? I don't want to get married. Je ne veux pas qu'elle se marie. Monsieur, laissez-moi. Oh. Tu ne veux pas qu'elle se marie? Je ne veux pas qu'elle ait une meilleure vie. Tu as gâté combien de mariages? Combien? How many marriages you destroy? Combien de mariages tu as gâté? How many marriages you destroy? Deux. Deux mariages. Elle a gâché. L'esprit a gâché deux mariages. Pourquoi? Est-ce que tu peux me laisser partir? Mais avant que tu ne partes, il faut que tu parles. Before you go, you need to talk. Il faut que tu parles. You're gonna talk. I didn't know that's why I was here. Je ne savais pas pourquoi c'est pour ça que je suis ici. Oui, pour que tu la libères. For you to free her. Ah, pour que tu la libères. Tu l'as rendue malheureuse. You make her be miserable. Voilà. Tu vas partir. You're gonna go. Aujourd'hui. Now. Tu quittes sa vie. You're gonna leave her life. Si. Yes, you will. Si. Nope. Tu yes, iras. Yes. C'est un non. She said no. C'est un non. Tu vas partir. In the order, you need je to go. Brise ton pouvoir. I'm gonna go. Now go. Le feu. Fire. 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 Le feu, comment? Fire. Laisse-la. Laisse son mariage. Leave her. Laisse son mariage. Leave her. Laisse son mariage. Leave her marriage. Lâche son mariage. Leave her marriage. Lâche son mariage. Leave her marriage. Allez. 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 Tu pars. Now go. Tu pars. Now go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Allez. Go. Allez. Go. Tu pars. Now go. Go. Tu la libères. Tu la libères. Laisse son mariage. Laisse son mariage. Laisse son mariage. Laisse sa vie. 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 Tu pars. Tu pars. Maintenant. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Tu la libères. Tu la libères. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Allez. Leave her. Get up. Get up. Get up. Get up. You are free. You are free. You are free. In Jesus' name, you are free. You are free in Jesus' name. You are free. Tu auras des hommes, ton mari. Tu auras des hommes, ton mariage. Je suis free in Jesus' name. You are free. Je suis free. Je suis prêt et qui cherche-moi. Allez, va t'asseoir.
Fire! 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 F
Au nom de Jésus. 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 La lumière. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Allez. 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 Il y avait la caméra. Nous allons beaucoup prier demain. Demain, quels sont ceux qui veulent voir la main de Dieu sur la vie? Tu peux acclamer Dieu pour ça. Tu peux acclamer Dieu pour ça. Dis-nous, c'est une œuvre de Dieu. Le visiter le délit, ce soit comme Dieu. Nous allons prier, attaquer la sorcellerie. Tu vas prier pour attaquer tous les sorciers qui l'attaquent. Tu vas ramener le camp, le pouvoir des maladies. Le Dieu, prions. Je veux voir tout le monde prier. De la main de Dieu, de la main de Dieu, la puissance de la main de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste. 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 La puissance de Dieu. La puissance. Dieu te délivre ce soir. God gonna free you today. You're free. You're free. In Jesus' name. In Jesus' name. You're free. You're free. You're free. You're free. Get up. Get up. Let's go back to Dieu. Let's go back to Dieu. Okay. Nous prions que la main de Dieu. Let's go back to Dieu. Il y a les boutons d'onction. Lui d'onction. We have an anointing oil. Voilà, donc tout à l'heure, vous pouvez prendre ça. You can get your anointing oil. Ok, demain on aura l'occasion de mettre sur vous. And tomorrow we're going to use it. Voilà, demain on aura l'occasion de mettre ça sur vous. Demain, on va prier, on va mettre. Je vais enseigner ça, l'utilité de l'onction dans la vie de chacun. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ça va faire l'introduction. Dites aux malades de la vie de Dieu. Que Dieu veut les guérir. Demain, nous allons rentrer dans une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va vous guérir, va vous délivrer et va vous restaurer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Thank you.
Voilà, demain, on aura encore notre programme demain, par la grâce de Dieu. On aura aussi demain, on va donner toutes les annonces possibles, mais déjà commencez à prendre votre bouteille par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.